Bonjour Monsieur Gaston. Bonjour docteur. Je vous revois aujourd'hui pour qu'on organise votre sortie. Ah bon? Ben oui, ça va beaucoup mieux depuis que je vous ai vu il y a un mois au CHU de Rouen en gériatrie pour votre dépression. Oui, c'est vrai, ça va bien mieux. Je vous revois aujourd'hui pour organiser votre sortie. Pour que ça se passe au mieux, on va prévoir 15 jours, 3 semaines au centre hospitalier de Neufchâtel en service de soins de suite et de réadaptation. Mais à côté de chez moi, c'est parfait. Ben oui. Mais est-ce que cet endroit-là, ça se trouve au cœur de Neufchâtel même? Ça se trouve pas loin du centre-ville, oui. D'accord, bon, parce que j'aime bien le fromage, alors ça sera plus pratique. Ça sera plus pratique. Ça veut dire qu'on va plus se voir. Mais si, on va se revoir, parce que le centre hospitalier de Neufchâtel, comme le CHU de Rouen et le centre hospitalier du Rouvray, ça fait partie du GHT Cœur de Seine. J'ai acheté quoi? Vous avez... Neufchâtel? C'est ça. Encore un cœur de fromage. Et le GHT, c'est plusieurs hôpitaux qui travaillent ensemble pour proposer une offre de soins la mieux adaptée à la population. Bon. Est-ce que ça veut dire que ma sœur Lison, quand elle s'était cassée le col du fémur, elle avait été hospitalisée en SSR à Darnétal? Est-ce que ça faisait partie du GHT? Absolument, ça fait partie du GHT Cœur de Seine. D'accord. Ma sœur Suzon, elle va en consultation gériatrique à l'hôpital de Barentin aussi? Ça fait partie du GHT. Vous en avez des sœurs, monsieur Gaston? Oui, j'en ai, mais vous en avez des hôpitaux. Alors, il y en a combien? On en a 8 hôpitaux et une équipe territoriale pour personnes âgées qui va dans tous les hôpitaux du GHT. D'accord. Il m'en reste une, c'est Muguette. Ah. Elle perd un peu la tête. Alors, elle va en accueil de jour au centre hospitalier d'Ifto. C'est aussi le GHT. Aussi, mais formidable. Mais, et Robert? C'est qui Robert? C'est mon ami. Mm-hmm. Robert, il est à l'EHPAD de Gournay. C'est aussi le GHT. Formidable. J'ai quand même quelque chose qui m'inquiète, docteur. Dites-moi. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de maman. Elle va avoir quel âge? 100 ans! Oh, ben c'est formidable! 100 ans, mais si vous me dites que je vais pendant un mois en convalescence, est-ce que je pourrais sortir pour aller lui fêter son anniversaire? Elle est où, votre mère? Elle est à l'EHPAD du Bois Petit, à Sotteville. Ben c'est aussi le GHT. On fera tout pour que vous puissiez y aller. C'est formidable! Formidable! Le GHT, c'est partout, alors! Le GHT, c'est partout. Mais docteur, si tout est formidable comme ça, vous pourriez peut-être me trouver une petite copine.